Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode en multijoueur de U4 avec Ligirac. Yo. Et c'est Rikai. Salut tout le monde. Donc voilà, il va rester quelques épisodes. Nous de notre côté, c'est sûrement peut-être notre dernière session d'enregistrement si on arrive à la finir, parce qu'en fait notre camarade Ligirac va devoir nous abandonner parce qu'il a une soirée d'offus après. Ah c'est sacré. Donc vous comprenez, il y a des priorités dans la vie. Je t'avais dit, j'allais te mettre l'affiche, hein, c'est normal. Non, mais c'est sacré, Dofus. Hein. Je sais pas. Je t'en foutrais, moi, du sacré. Sacrément con, moi. Ouais. Je vais te mettre un sacré coup de pied au cul, moi. C'est trop sympa. Donc. N'empêche que c'est l'un des rares jeux qu'on peut faire en multi, sans vraiment se lasser. Ah ouais, non, mais sérieux, trop j'adore. Ah, parce que tu te lâches pas à jouer à Dofus, toi ? Non, le mec, il kiffe Dofus. Non, mais quand on joue à plusieurs, c'est sympa. Non, ils vont libérer la province, faut pas. Quelle province ? Ah mais bon après, ta place. La Mandchourie, on va se la bouffer. Oh, ouais, la Mandchourie continentale. Non, foutez-moi la paix. Mourez. Allez, moi j'ai défoncé les... Bonne nouvelle, la Mandchourie n'existe plus. Ben c'est Milan bientôt. Regarde Milan, ils sont en train de mourir dans les montagnes, dans le Tyrol. Ouais, moi je suis un débile, j'attaque dans les montagnes. Bon, à 8 contre 1. Que là, ça leur serve de leçon. Par contre c'est bien, j'ai un petit bug aussi moi, c'est que là pour ceux qui sont sur mon écran, j'ai le Regency Council Convents, mais il n'y a pas de hog, de clear, de annuler, de... J'ai une fenêtre sans bouton. Ah oui. Bon, je sais qu'il y en a qui seraient heureux d'avoir des trucs sans bouton. Pour mes viewers de moins de 30 ans. Ouais, je te refourgue aussi, je te refourguerai Brescia et... Voilà, et... Comment ça s'appelle ? Et Milan. Donc ça, c'est pour notamment... La Toscane a fait une alliance avec Nassau. Oui, mais bon, Nassau, voilà. Ah bah oui, hein, merde. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ah bah oui, mais non. Ah, ils ont en général 4 étoiles. Ah tiens, il y a... C'est quoi ça ? J'ai une flotte ici ? Ah, c'est moi qui ai tout ça en navire? Ah ouais, 24 galères, je suis un peu un sauvage. 8 gros navires, 24 galères. Je suis en train de raser la flotte toscane. Que tu m'as fait sortir de l'eau. Quoi? Je plouque. Je vais attaquer... Révolution à Andra. Mais on s'en fout ça, bon, d'Andra, je veux dire. Oui, Andra, c'est pas un problème. Bon, est-ce que le siège pourrait bien se terminer sur Berk, s'il vous plaît? Là, j'ai envie de bouffer cette province, là. Ah ouais, il y a la Sicile aussi. Oui, que Jacques n'a pas bouffé. Tu peux nous sortir peut-être le Palatinat, la guerre. Palatinat. Comment ça, j'ai pas de diplomate? C'est scandaleux. Un scandale. 999. Je vais aider le vassal à traverser là-bas. Sous of PA, tu veux sa province? Ouais, les gars, ah bah oui. Plus 35% d'avance en technologie militaire, j'ai claqué seulement 500 points. Pas mal. Sauvage. Par contre, j'aurais plus de points de diplo. J'ai changé mon focus. Ah, c'est mal, j'ai moins de 46%. Diplo. Oh, c'est quoi cette espèce de bug? Je peux pas augmenter l'autonomie parce qu'il me dit. Ah ouais. Ah non, 91%, bon, je sais pas. J'adore la ligne de fort qui est à ma frontière. Alors, tu sais, tu dirais, ils vont s'agresser? Non, c'est juste qu'on a... Ah, voilà. Donc, Milan, normalement, ils ont plus de province. J'ai fini le siège de Milan. Milan, je te le refile, par contre. Si tu veux. Autrement. Bah, limite, la province... Là, ici, les... Alors, Milan, il me propose des paix, donc je vais voir ça avec lui. Hop, investir en nouvelles technologies, voilà. Ah, j'ai un nouveau groupe d'idées, super. Comment dire? Oh, j'ai un marchand en plus. Je peux lui demander de relâcher la Suisse. Oh, super. Ah, quoique, si, ouais, limite. Comme ça, c'est Rick, LG. Prends d'abord les provinces. Moi, tu me récupères comme je disais, donc tu me récupères Vaud. Non, je peux pas. Passer les provinces et libérer la Suisse.
Ah oh bah c'est pas grave, tu me donnes Vaud et Sungdo, ça fait. Oui, on s'en fout de la Suisse, hein, ça sert à rien, franchement. Ah, si tu veux, tu me files Vaud, Sungdo et Novara. Ouais, c'est moi, ça, Vaud, Sungdo, de mon côté, Novara. Voilà. Après, t'en prends toi si tu peux. Après, il manque Mantoue hein, qu'on est en train de choper, si tu veux. Le problème, c'est que Mantoue, j'ai pas de... Ça va me coûter des points diplo. Oh, 49%, on peut pas le faire, ce siège-là, les gars. Parce que c'est qui le... Après, je te dirais bien... Après, on peut garder Milan, on sort la Toscane, la Sicile et tout, et moi, après, je fais une paix séparée avec l'Autriche pour récupérer les territoires à Milan. Tu sais où t'as mine ? Bon, voilà. Yeah, mais si... Je t'ai donné plus, je crois, non ? Non, c'est bon, c'est plus ce que je voulais. Regarde la frontière comme ouais, elle est belle, maintenant. Elle est belle, voilà, elle est toute... toute propre. Après, de toute façon, ça ne marque pas à Corée. Quand même Corée pour, le, pour la beauté du geste. Il y a juste la Toscane là que je vais m'occuper vite fait et puis après ce sera... Oh putain, 106% de voie extension. Par contre, faut absolument que je vois mes colons dans les dernières provinces en Sibérie de manière à ce qu'il n'y ait pas de grosses taches moches dans la carte. Voilà, t'as nos vassaux qui vont s'occuper de la Sicile. Ma flotte qui est en train d'attendre. En fait, j'attends pour. Ah, ça pourrait être marrant de sortir la Toscane de la guerre. Dès que tu, quand tu pourras. Sérieusement, le Hanovre, là, mais rends-toi le Hanovre. Mercenaires, moins 15%. Je sais bien, je n'ai rien à foutre du mercenaire. Ah bah voilà, Hanovre est tombé. Nassau, tu... Ah non, je peux pas déclarer la guerre, moi, je crois, parce que... Ouais, j'ai une trousse et je suis... Voilà. Nassau, tu peux lui déclarer la guerre ou pas? Non, je m'en occupe seulement deux secondes. Attention, vous êtes plus alliés, hein. Oui, mais ce que je veux dire, on s'en fout, c'est on déclare la guerre pour lui refourguer ou un truc comme ça. Ah, je peux te... Si, je peux t'allier. Pourquoi je peux pas te l'envoyer? Ah oui, merde, c'est qu'on a pas... T'es en train d'augmenter les relations avec moi, Ligi? Serré, plutôt? Ouais. Oh putain, les scores, moins 33 et moins 4, je... on veut s'allier, non alors, il faut pas. Alors attendez, pause, parce qu'on va avoir du Call for Peace, donc ça serait très regrettable. Alors déjà, la Toscane, tu dégages. Kronberger, ah, je suis au Fogue aussi. Je suis à un magnifique combien sur expansion, 103%. Ça va. Apparemment, c'est le pire que j'ai bouffé des trucs, pro en Mandchourie. C'est bien, tu vas nous sortir la Toscane. Voilà, comme ça c'est avec là, il y a plus... T'as enlevé quelques navires dans la flotte qui était là. Ah oui, il n'existe plus. Moi j'ai mis 54 navires qui attendent. Dès que le siège va être... Putain, moins 63 le siège. Oh. J'ai envoyé une armée pour aider un peu. En fait, je prends que Treviso en fait. Hein. Que Treviso. Ou tu prends ce que tu veux, ou tu veux pas prendre de... Ouais si, ouais, Treviso. Ou tu prends, tu prends Grundigan que tu refourgues à serrer derrière. Bah le problème c'est que j'ai pas les points diplo. Ah merde, ouais bah prends que Treviso. Hein. Donc j'ai les raquettes. Ah je peux faire Vassal, Ottoman Vassal. Qui ça? Il reste 6 ans hein, c'est... Ouais. Oui. Ah oui, ça va être moche. Moi je vais vous dire honnêtement, les non mais tu la finis après hein. Ou relibérer la Suisse. Comme ça on leur met sur la gueule dans la foulée. Voilà. Ah oui, c'est dans la partie ça. La partie que je bouffais ça. Tiens, tu peux déclarer la guerre à la Suisse si tu veux serrer. Bah attends, vite fait, est-ce qu'on peut... On peut toujours pas s'allier là contre Saras. Putain. Ouh, la Suisse. Nassau, je peux pas lui déclarer la guerre? Non, moi je peux pas. Non, attends, regarde Nassau, attends. Ah oui, je peux pas déclarer une guerre à moins d'un mois. C'est vrai. C'est mon débile. Hop.
Voilà. Ah, l'Espagne. Diplomatie, déclare war. Pourquoi il me transfère à Vienne? J'adore quand même ton armée à Koblenz, le spectacle qu'elle doit voir. À Koblenz. Elle a regardé de l'autre côté de la rivière. Il prend des photos là, il fait waouh, le viol et tout. On a fait pareil, mais c'est magnifique à voir. Il faut aller dans ce monstre du Japon. Mais pour manger du cantonais. Il n'y a plus de Japon. C'est l'Aïdou et le Manchou qui ont plus le Japon. Ils vont à Salamanca. Ils vont à Salamanca. Là, Guinée de Corprovence, voilà, ça c'est une bonne chose. On va convertir à notre religion. Sérieusement, les gars, 103% de extension. Arrêtez de chialer. Ah merde, c'est vrai que là j'allais défoncer ceux-là. On va défoncer ça. Ah oui, 40 000 hommes quand même. Alors, en fait, c'est vrai que ce mode il est bien, mais le problème c'est que c'est n'importe quoi. Le Brunei, 40 000 hommes quoi, le coup de coring. Donc le dynamiser le développement, et je pense que c'est ça qui fait ramer le jeu aussi. Oui, oui, ça doit y faire. Oui, je pense. Ensuite, parce que du coup, il y a beaucoup de pays qui sont riches, du coup, ils font beaucoup d'actions. Bah, tu regardes rien que le Milan, t'as vu Milan, la puissance de Milan quoi. Au Suisse, avec 49 avec moi. C'est un bon, c'est une belle initiative, hein, mais pas adapté avec le système de points, quoi. Ben voilà, c'est ça. Par contre, il n'y aura pas le système de points. Oui, le mode aurait été très très bon. Ben, ce qui est dommage, c'est que ce qui est dommage, c'est que que le coring cost soit lié au développement de la Provence. Ouais, au point, ouais. Déjà, l'offre de paix, à moins d'avoir le casus belli religieux, ça coûte double effet qui se coule. Non, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que. Mais je trouve que c'est logique, hein. Plus la province est développée, plus c'est compliqué de l'annexer, enfin de l'intégrer dans le pays, quoi. Oui. Mais c'est juste le fait que ça consomme des points, quoi, admin. Ça devrait être un autre système de points. Oh il y a un mec qui s'appelle Jehan de Luynes. Quoi? Où ça? Jehan de Luynes, un de mes commerçants. Tu sais où c'est Luynes? Non. Putain d'un culte. L'autre, il habite chez les connards de Marseille, il sait pas où c'est Luynes. C'est où pour les connards de Marseille? Bah, c'est au sud d'Aix-en-Provence. Oh, je connais pas, non. Putain, le mec, il sort pas de son bled. Bah, non, ah non, grave, pas de ma cité, hein. Par rester à Marseille, je sais pas ce que. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors, j'ai une armée chez les Gonobés. Ah, j'ai deux armées là-bas. Elle est où ma flotte de transport? On va prendre. C'est pas si rate. Attendez, les gars. On va vous montrer la civilisation. Est-ce que je vais avoir le temps d'arriver là-bas pour leur mettre sur la gueule? On va aller défoncer les bestiaux de là-bas. Ouais. Ce chef de Badar Rose est terminé. C'est quoi Western Focus? C'est ce que tu n'as pas fait, l'occidentalisation. Pourquoi il me le propose maintenant? Oh! Tout le monde devenu occidentalisé. Bah ouais. Magnifique. Bah je sais pas pourquoi il me l'a pas proposé avant. Tiens, vous connaissez l'Espagne? Ouais, c'est un beau pays qui existait. C'était. C'est ça, voilà, c'est la France, l'Espagne. Au revoir, l'Espagne. Ça ressemble beaucoup à Civilization Beyond Earth. Genre France-Sibérie. Ah ouais, là, tu m'étonnes. Les Arabes. Ah merde, j'avais des rebelles là-bas. Une civilisation arabe. Ouais, ah, même c'est une femme qui dirige. Elle est à moitié voilée et tout. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait une femme qui dirige là-bas. Ouais, je me pose des questions. Hop, allez, on va se les faire là-bas. Parce qu'en fait, c'est un homme. C'est un trans. C'est vrai que tout le monde connaît la tolérance légendaire des Arabes quant à l'homosexualité, au transsexuel et tout. Enfin, les Arabes. Les musulmans, plutôt. Une grosse tolérance pour ça. Ah oui, non, mais elle est parfaite. D'ailleurs, oh, guerre civile au Chili. S'en fout. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que dans Star Trek, il y a des blancs, des noirs, des jaunes et pas d'arabes? Ils ont tous été annihilés. Parce que ça se passe dans le futur. 10, 27, 28, 12, 28. Ça se tient, hein. 28, 12, 28. Par contre, j'ai trop de forts. J'en ai plein, alors. Celui de Venise. Ah bah, y'a plus de nassau. Plus de nassau? Ah non. Alors là... Voilà, bien sûr, on est tranquille.
Là-bas, on va les défoncer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste plus grand-chose à défoncer. Tiens, déclare la guerre à... Limite, tu déclares la guerre à... Comment il s'appelle? À la Suisse? Ah, t'es en guerre, mec? Quand t'es libéré, c'est même pas ça deux semaines après, mon gars. L'enculé. Moi, je pense que je vais peut-être briquer la trousse après pour qu'on... Ah, ou tu pourras déclarer la guerre à... Ah, mais putain, on va jamais pouvoir s'allier, quoi. En 40, sérieux, la vie de tata. Fais chier, on peut plus s'allier. Tiens, je vais augmenter avec l'Ottoman parce que c'est un... Moi, j'avais déjà augmenté avec toi. Ouais, pareil, je l'envoie avec toi. La France occupe les Canaries. Voilà, j'ai compris ma province. J'ai mes relations avec Serikai. J'ai allié encore. Ouais, agressive expansion de moins 31 quand même. Ouais, c'est tout? Ouais. Fénard. Moins 31, l'espoir. Bah, j'ai un claim sur toi. Bon, sur quelle province? Je vais regarder. Tufio Rivals, comment ça, Tufio Rivals? Qui je peux avoir en rivaux? Ah, c'est toi qui as un claim. Oh, je peux avoir l'Ottoman, oui. Ou le Polonais. C'est toi qui as un claim sur Buzo. Ah oui, ça c'est parce que j'ai un event. Oui, c'est pas grave. Tu sais, la reconquête des provinces là au sud, la Pologne a souvent contre l'Ottoman. On s'en fout. C'est clair. Carrément. Comme une mission, restaurer le Saint-Siège. Bon, ah oui, quelle idée. Ah, j'ai assez de temps pour faire ça. On va maintenir le diplomate. En fait, je vais mettre deux diplomates à demeure chez vous. Hein. Ils vont rester. Relation max, si, pas grave, t'y restes, on va faire les cafés. Ah oui, mon commerçant. Trade. Elle est vraiment plus cette histoire de café avec les Portugais. Ils prennent vraiment le café. Ah, pas d'accord. Il y a 45% de cette extension. Maintien le diplomate. Merde, la vie est arrivée, c'est laquelle? Allez, massacre d'indigènes, ouais! Il est con celui-là! Et vous remarquerez que la Sibérie, la dernière province, va disparaître. La dernière province grise disparaîtra. Bon, moi je vais me faire Brunei. J'ai pas une flotte de guerre qui traînait par là? Je sais que j'ai quand même 200 000 hommes sur le front chinois. Oh, sauvage. Ça sent pas du tout l'invasion. Moi, je vais me faire Brunei. Killua, il m'énerve avec ses pirates. Hein. C'est que le mot d'Aguicio, là. T'as fait chier, tu l'as pété ouais, la gueule. Ouais, mais c'est bon, il s'est calmé. Enfin, il s'est fait bouffer par Killua. Il s'est fait défoncer. Ouais, ah, les cultures en terrasse ont été découvertes. Un peu tard, non? Voilà, et moi je vais aller mettre sur la gueule de Brunei. Enfin, quoi, plus tard que jamais, hein. Bah, la Suisse, au revoir la Suisse. Looting speed. Hop. Bon, bah maintenant que j'ai bouffé la Suisse, ce que je vais faire, c'est que je vais bouffer le reste de Milan. Enfin, la partie du nord, du moins. J'avais des Girac ou pas? Pour bouffer mon... Ah bah non. T'as bouffé quoi? T'es en trou, c'est que Milan. Ah oui, oui. Moi je lui déclarerai la guerre, hein. Le truc c'est, même si on s'en fout, moins 5 de stab, mon recon, enfin d'agressif expansion. Bon, quoique en même temps j'ai même pas besoin de Milan. L'autre sauvage. Ouais, j'arrive les gars. Et l'autre il a remonté, regardez combien... La vie de tata. Okay. Le mec il s'est refait un stack, Milan il s'est refait un stack de 30 000 hommes quoi. Attends, je lui dis bonjour à son stack. Non mais sérieux. Bon, dès que ma flotte de guerre elle arrive à Brunei, je leur mets sur le groin. Elle est où ma flotte? Là-bas. Hop. Je comprends pas, j'ai fait Hunt Pirate. Ouais, parce qu'ils sont décalés d'un nœud en fait. Ah, les blaireaux ont popé à Koblenz. Bah, ils ont dépopé, quoi. Où est-ce que ça risque de popper après? Oh, les Spanish séparatistes. Alors, bon, on s'en fout. Non. Vite, 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 que j'aille voir mes rebelles, vu que là, 80%. Ouais, reconstruction de forêt. Eh, putain. Badajoz. Ah, mais Badajoz, ça tombe bien. Non. Michel de Marguerre, là il va les défoncer.
Et ils sont les Congolais séparatistes. Ils me saoulent un peu, les séparatistes congolais. Hop. Et les Tierra Austral, Cocos Island. Allez, comme par hasard, ça rame. Au janvier, mon gars. Ah ouais. Je vais mettre en... Ouais, non, on s'en fout, après tout, ça pop, hein. Non, de toute façon, là, je pense qu'on joue vraiment... Il reste 4 ans, non ? 4 ans ? Ouais. 6 ans ? Non, non, même pas, c'est 1821. 21 ? Ouais, 3 ans, bon, on aura fini largement. Du coup, je sais pas ce qu'on fera après. Mais notre idée, là, en Asie, ouais, c'est vraiment sympa. Ah bah, absolument qu'on passe ça en Asie, là. Ouais, mais c'est... Ouais, ce qu'on disait, on va le faire. Coco Island, merde, je suis con. Bon bah voilà, cherchez mes trucs, ils sont... Donc après, je sais pas comment on s'organisera du coup pour Stellaris et pour HEI 4. Déjà, faut qu'ils sortent. En premier lieu. Mais c'est bientôt, hein. Dans 2 mois. Un peu moins. Tira Australian séparatiste. C'est quoi Tira Australian? Ah, c'est des espingouins, des aragonais, mais qui me font chier, eux. J'ai oublié de les... Bon, ben voilà. Sundo. La capitale... Sundo. Là. Hop, on va aller là-bas, histoire de les détendre un petit coup. Hop. Ils sont quel niveau les bouseux là-bas? 25. Diplomatie, déclare war. On va lui mettre le général Kirox du poney. Lui, on va lui mettre le général Kirox du poney aussi, mais un peu moins. J'en ai mis 2 généraux des étoiles pour aller défoncer Brunei. Qui a 7 niveaux technologie de moins que moi. Ah merde, j'ai mis pour moi, pas pour mon vassal. C'est pour ça que j'ai payé plein tarif. Je suis mauvais. Ouais, on sait. On s'en fout. Ça t'es perçu. On s'en fout complètement. C'est la fin du jeu. Ouais, exactement, là, c'est pouf. Et grand temps il était. Il y a un maître Yoda. Oh, le farmi... Nevis, plus 15%. Ça, okay, voilà. J'ai gardé. Oh, moins 84% le siège. Quoi? Fort niveau 8. Aïe. J'ai boîte matinale, j'ai mal. Ah, j'ai gardé pour moi, c'est pour moi, ça. On va s'avancer comme ça. 68. J'ai de tout, j'ai des protestants, des réformés, des confuciens, des sunnis, des vajrayana à convertir. Ouais, l'auberge espagnole quoi. Les Lins Salamanque Caceres. Moi, tout le monde est sunni. Ouais, si on veut leur filer Salamanque, voilà. Même s'il y en a qui pratiquent en cachette, c'est faux, ils sont tous sunnis. Pas grave. Bravo cette tolérance. La tolérance. Voilà, ils ont fini eux. Kiaros, Dragon. Ah, enfin! Ah oui, allez, putain, la légitimité qui est fou comme neige au soleil. Je sais plus quel pâché, je crois que c'est la 8 économie. Janvier, bien sûr. Allez, encore de l'inflation. Ah, Richessa de Meirin va prendre le pouvoir. C'est un homme ou une femme? Alors, est-ce que je fais ça pour faire le coup? Non, ça ferait tâche. Bon, on est à 24 minutes, je sais pas si c'est la peine de couper ou pas. Bon, on va faire un gros épisode final, voilà, ils seront contents. Ouais, voilà, un gros épisode final. Foutez-nous la paix. Bon, il nous reste... Ouais, voilà, on se comprend, quoi. Arrêtez de râler, franchement, ils râlent pour tout, c'est... Bande de gays. Ils râlent? Ouais, ils sont jamais contents. Oh merde. Planté. C'est un épisode trop court, ils sont pas contents, c'est trop long, ils sont pas contents. Non, de toute façon, ils sont jamais contents, quoi, c'est venir de la France. La vie arrivée.
très bien. Oh putain, t'avais pour Vassal qu'on voit des troupes. Et là, le ting-ding de fin d'épisode, mais on s'en fout. Grand seigneur, on vous offre deux en bonus. Pologne, Lituanie, Afinan, Kams, Snams. Bon, Légie, Serré, tu déclares la guerre à Milan pour les éradiquer. C'est fait. C'est dommage que Légie, plutôt. Qui veut que je... À la limite, ce que je fais, c'est que je bouffe toutes les autres provinces de Milan. Mais je suis encore en... T'en fous ? Je suis encore en paix. T'en fous ? Vous les refiler les autres provinces de Milan. J'ai pas envie de... c'est pour toi, tu fais tâche là, avec tes trucs, tes provinces là. J'ai pas envie de break mon économie. Si je défonce les... Je prends encore les deux derniers forts, mais bon après... En espérant que ça tienne avant la fin de la partie. Le sauvage va bourrer, parce qu'à la limite je vais tout prendre et je vous les refile. Vous en dites ? Oui, ouais, limite, ouais, file à l'autre bouseux parce que moi j'en ai pas besoin, c'est pour le truc là-bas. Oh ben je les ai violés là-bas. Ah oui, il est tombé sur ma flotte de guerre. Le pauvre. T'as moins 70, les sièges, j'ai moins 77 quoi. La moins 7 tata. Et 35. Pour le temps. Donc j'ai un milliard de canons et je mets 2 ans à faire le siège. Abusé la ça. La France s'occupe Bella. Très bien, on va les ramener à Caceres. Là-bas. Koblenz, très bien. La France occupe Bragance, très bien. Là-bas, les Tos du Sud. Ça va se faire coloniser par... Pfff, chier. 62 000 hommes, tu les as chier d'où ? Et fait ! Caceres, très bien. Bien ! Et Girac ? Attends. Je vais faire une pause là pour vous calmer là parce que sinon ouais. J'ai tout qui est pour exploser là. Donc les Girac, il veut quoi ? Il veut tout. C'est tout pour les Girac. Milan, Brescia et le reste. Tu lui donnes tout en fait. Tout ce qui est. Ouais, Milan, Brescia et mon tout. Voilà, comme ça on est belle. Donc je peux pas lui filer parce que ce con est en guerre. Pff, c'est un pays de merde. C'est bon, regarde, je fais la paix. Donne-moi ce que je veux, donne-moi peut-être un peu plus. Dis quand t'es plus en guerre. C'est bon. Ok. La richesse. Ok. Accepte ou pas mon offre ? Oui. Oui, attends. Séparatistes, ils sont Valence. Après, j'ai honnêtement vu la richesse et la puissance. Je vais même pas m'emmerder. Je peux pas. Attends, là. Carte joueur. Ouais. Joueur, c'est où ça ? La suivante, ta deuxième, voilà. Quoi ? Pardon. Quoi ? Pas d'argent. Ouais, non. Oh putain, ah oui, parce que... C'est vrai, j'ai envoyé plus de pognon, d'accord. Le mec est tellement radin, il y a je sais pas combien, il dit « Ah non, je filerai pas de pognon. » Mais grave, quoi. Tu peux rêver. Du coup, ça fait un bel petit empire. Ah putain, je vais m'allier avec toi, moins 84 et moins 114, serré. On s'aime pas trop. Ah, non! Si, je joue pour le faire chier! Mais non, qu'est-ce que je shoote avec ça? T'as tapé les Milanaises? Ça fait pas une belle frontière! Oui, bah ça, je peux me taper les Milanaises même si elles sont ottomanes! Hein. Oui, moi je te les donne! Hein. Je vais pas m'arrêter à ça! Hein. Je laisse même catholique si tu veux! Bon, et là mes sièges, la vie de tata, ils avancent quand ils veulent hein, les sièges! Putain! Ma force limite ça dit oui. C'est la force limite. Ah ouais, 510 sur 600. Oh, je suis de la marge encore. C'est vrai que j'ai fait le radin quand même pour 700 ducats. Tu m'étonnes. Simon Cohen. C'est quoi ton ? C'est Simon, c'est Joseph, c'est Cohen. Là, armée des Pyrénées, ça c'est Afrique. Et la suivante. Quelle province ? La dernière, c'est Crémone. Congo. Et voilà, j'ai tout fourgué à Légirac. Yay, j'ai une overextension de... Beaucoup. 141. Fort maintenance 153.
Moi 55. J'en ai démantelé beaucoup aussi. Raser la masse, moi ces machins-là. Il y a des forces tellement partout dans Saint-Empire à cause du fait que chacun met à force sa capitale. Grave. J'en rase 4, j'en tourne en positif. Pire, c'est également ma... mon armée. Elle me coûte 429 par mois. Par contre, quand je dézoome, c'est magnifique de voir Pauline Tony créer en gros. Ouais, tu m'étonnes. C'est où la Pauline Tony? Bon, c'est là. Le gros machin. Belle Pologne. Ah, mon armée va me... j'annonce mon armée, ouais. Mon armée va me coûter très cher à entretenir. Combien? Les petits bugs DNS. Je sais pas. Oh, du coup j'ai, voilà. Mais j'ai eu un... une latence. Ah. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi ce qui se passe. Bah, je peux dire que la partie est énorme. Ouais, non, mais ça met, ça va cracher. Ça clignote orange mon CPL. Bon. Bon, on t'entend quand sur. Vas-y. Non, si on t'entend. Ouais, bah oui, oui, c'est... mais c'est parce que j'ai eu une latence en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Tu m'en fais une belle toi de latence. Alors tu disais, combien ça me coûte mon entretien d'armée? Mon entretien d'armée me coûte, mais je pense que, c'est bizarre le Liberty Desert, je pense qu'il va être en train de baisser. Elle me coûte, pour un 100, 338,71, 340. Et la flotte? 341. Et la flotte elle me coûte que 99. Moi je suis à 429 pour l'armée et 146 pour la flotte. Ouais. Je suis à 344 pour l'armée. Ouais, quand même. Ouais, je suis en train de monter mes stacks là. Je suis à. Et je vais monter à 612 régiments. Ah, 612 régiments, 454 navires. N'ai que. 820 régiments. Combien? 820. Ah ouais. Je suis à 1035k de manpower. 1035k, l'enculé. Avec mes 300k, je fais peine. Oh là, mais ouais, 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 en fait, je fais des stacks de 68. Je me suis rendu compte que c'est efficace contre le Milan. Mais t'arrêtes de respirer comme un bœuf en train de sonoriser, toi. Le mec et tout, il affirme cette espèce de truc du cul d'étudiant qui affirme sa vie. Perdu un stack à cause des rebelles. Il y a encore des rebelles à ce niveau-là. Mais oui, avec 142 d'over extension, tu m'étonnes que. Comment t'as fait pour avoir 140 d'over extension? Bah, tu as vendu. Il y a un connard qui a vendu du territoire. Ouais. Non, j'ai donné. Ah, je suis plus qu'à 50. Il avait pas voulu raquer juste 2 balles à un moment. C'est trop cher. Picsou. En tout cas, la frontière est belle entre nos 3 pays. Hein. Ouais, là c'est bon, on a bien bossé. Je l'ai montré, ouais, c'est. Non, c'est nickel quoi. C'est... Non, on a et fait montagne, une belle frontière. On a fait un truc nickel. On respecte les cours de la nature. Je n'ai plus le siège d'un cardinal. Comment dire? Je crois qu'on va faire. Ah oui, j'ai ça, c'est vrai, voilà, la papauté. Si, il y a quand même. Il y a ces... En fait, j'aime bien. Des cardinaux, en fait, il y en a 7 en Galice, 6 en Pologne, 7. Ah non, 7 en Galice, ouais. C'est le Portugal qui est. Contre la curie, mais le pauvre. Contre la curie, ouais, tu m'étonnes. Et la partie va bientôt s'achever, on est déjà le 12 décembre. En même temps, j'ai 88,75 de papa d'influence et tous les ans j'en gagne moins 6. T'as fait cynique. Hop. On va dézoomer pour voir une dernière fois le monde magnifique. Ouais, on va faire ça, réduire l'overextension même si j'y arriverai pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire, mon lapin? Ouais, t'en as pour combien d'entretien? Attends. Alors, donc, ouais, d'entretien de mon armée, j'en étais à... Maintenant, je suis... Je crois que j'ai fini de construire. Ah, c'est fini! J'avais pas vu ça! Oh, c'est beau! J'étais kické. C'est tout aussi nul que quand on finit une partie... Non, mais on va pouvoir regarder les différents écrans, là. Donc... Du coup, j'ai le meilleur score. Ouais, putain, le mec, c'est le plus weakos du groupe, il a le meilleur score, quoi. T'as combien en score? 17 029. J'aime bien. En fait, les scores, c'est dans l'ordre inverse de la vraie puissance, quoi. Moi, je suis à 16 186.
Tu as 13 913. Putain. 13 000. Par contre, regarde, largest army c'est pour moi, deuxième largest navy, plus de province c'est pour moi, highest province value c'est pour moi, highest income c'est pour moi, deuxième highest trade income. Non, c'est pas highest, c'est highest. Alors, je t'explique, tu vois, il y a des endroits, t'es pas premier. Oui. Bah là, je suis premier, et il y a des endroits, t'es premier. Bah là, oui. Je suis deuxième, et l'autre trou du cul, il est troisième partout, oui, quand il est devant nous. Partout, enfin, largest army, il avait perdu un stag, donc ça compte pas. Ah, non, ça comptait pas de toute façon. Donc c'était troisième partout quoi, et je suis premier. Ouais. Attends. J'ai combien de stacks moi? J'aime plus à lire. 863 je crois. Non, 963, voilà. Putain, ouais, armée, ouais, mon armée. Ouais, 598 sur 600. Ah, j'aurais pu te rattraper sur la fin. 250 000 fantassins. 1063 pour l'armée. En limite? Non, 1063 sur 1071. Oh l'enculé. Du coup on n'a pas eu le bassin de révolution. Eh non. Ah si, c'était un petit pays asiatique. Ah bon? T'as popé le message. Ah ouais, j'avais pas vu. Le quoi? La révolution. Ah bon, je l'ai pas vu, moi je croyais que c'était en Amérique du Sud. Vu que c'est un président en Bolivie ou un truc comme ça. Putain ouais, l'écran pour bouger c'est un peu la merde, on peut plus dézoomer. Non, on peut plus cliquer, rien. Ah putain c'est chiant. Ouais c'est un peu à chier, on peut pas regarder le ledger. Budget. Ah ouais. Ah, c'est un peu con ça, ouais. Non, on peut pas. Par contre, dans nos technologies, vous étiez à combien vous? 28, 28, 31. J'ai pris beaucoup de retard à la fin. 26, enfin, 27, 32. 27, 29, 32. Par contre, c'est aux idées que tu nous fous, toi. 56. Ouais, moi je suis à 41 idées. Mais tu vas pas dire. Ah, oh, moi j'en ai 38. Mais de toute façon, faut que je fasse un choix, hein. Soit c'est la tech, parce que pendant trop longtemps j'étais pas western. Hein. Bah, j'ai fait les deux. Hein. Bah ouais, mais moi, t'avais pas... Ah oui, mais t'avais pas les moins 20 de malus. J'étais quand même Estern, moi, au début. Au début, ouais, mais après, tu étais Western. Ouais, il a fallu un petit moment, quand même. Mais moi, non. Je sais pas pourquoi ça avait bugué. J'ai réussi à le faire à la fin, ce qui n'a aucun sens. Ouais. Bon, bah voilà, sur ce, les gens... Bah c'était une partie, ouais, c'était intéressant. C'était vraiment le mode blob, quoi. Voilà, on a fait, voilà, c'était le but. Et on va... Qu'est-ce qu'on fait? On spoil sur notre nouvelle série, ou... Ah non. Non. Non, non, non. On spoil pas, mais nous on sait ce qu'on va faire. Ouais, oui. Bah, non, normalement, si tout se passe bien d'après le questions scientifiques. Mais ce sera très courte, hein. Enfin, ce sera vraiment des voilà. Épisodes courts. Il sera plus courte. Et surtout, après, n'hésitez pas si vous avez des avis, des questions, même des idées de jeu ou de parties ou de défis à la con. Non, faut pas hésiter à nous les proposer parce que nous on est un peu des génies, incompris soit, mais on n'a pas forcément, on pense pas forcément à tout. Donc, voilà, normalement, si tout se passe bien d'après nos calculs scientifiques, je pense que vous aurez la nouvelle série sur vos écrans peut-être dès demain. Vu qu'on enregistre en avance. Ouais, ouais. Je réfléchis, mais normalement, ouais. Parce qu'on en est à quoi aux diffusions? On en est en... Normalement, cet épisode-là aurait lieu le 2 avril, je crois, non? Ou plus? Non, le 5 avril, celui-là. Le 5 avril, Donc le 6, ça fait que nous, pour l'enregistrement, il nous reste une semaine. Est-ce que vous pensez qu'en une semaine, on aura du mal à faire la série, je pense, la Au prochaine. Pire, on retarde la diffusion pour le week-end. Ouais, bon, on verra ça en off limite. On va se la faire genre. Ouais, voilà, parce que sinon, rien comprendre. Voilà. Donc, sur 100 les gens, allez, on vous dit bye bye. À la prochaine et à plus. Salut tout le monde. Yo.